Ah, mais je n'ai pas dit. Ça fait une belle balle de clopé, hein. En plus, avec des patients particuliers, je me dis, bon, tu finis par des gitanes. Allez, oui, t'es pas voué. Alexandra est assez coquine pour ça, pour m'avoir mis des noms un peu spéciaux. Ouais, et c'est pour ça que je ne me donne rien. Hein, bon. Donc, au début, je cherchais du monde, je dis, mais et aussi qu'ils ont foutu les patients qui m'attendent. Le grand bordel, c'est pour ça que j'étais un peu étonné que je refermais la porte. Et cherchais un peu de secours autour de moi, mais tous étaient. Ils se foutaient. Ils rigolaient. Dame Blanche, c'est Muriel qui a eu la main, Dame Blanche, est sortie, elle se demandait ce qui se passait, elle ne devait pas être au courant, j'ai rien compris. Et j'ai du mal à me remettre un peu comme le professeur Attac, on était tous derrière. Le mur quand vous êtes sorti là de... Ah, oui. Bon, je ne vais pas m'aimer plus parce que le champagne va réchauffer. Oui. Donc merci encore une fois et dommage que certaines se soient retenues pour d'autres activités de bénévolat.
Et bon, il se retrouvera. Et on a donc fixé la date de la fête de la retraite, un peu là où Roger, c'est, tu as fait de la retraite, c'est pas chez Pierrot ? Chez Pierrot, oui. Et bien ce sera certainement dans la même salle, hein, et ce sera le vendredi 8 novembre. 9 novembre. Il a bien fait de prendre la retraite. Allez, à vous deux. Henri ? Oui. Henri, c'est le petit pamphlet. Je t'avais pas vu. Non, quand tu veux. Attends, on est dans la grille. Et peut-être qu'on a tellement mieux sans lui. Ouais, je sais. C'est pour ça que je l'ai promis. Qu'est-ce que tu dis ? Mets le micro. C'est un petit pamphlet écrit à 5 minutes en passant à toi. Alors c'est l'histoire d'un mec. C'est sur l'air de Champs-Élysées de Jodassin. Ah, vous avez compris, vu les saxos de... Ouais, c'est toujours la même. Bon. Tout le monde a les paroles, hein ? Oui. Il a fini de travailler, la liberté il a gagné. Il va pouvoir se libérer et se balader. Tous ses clients s'y fatiguent quand l'homme tous les balancer. Des armes à tout oublier pour en profiter. Ah. Au départ, je l'ai fait sur le thème Caprice est fini.
Ah. Tout à fait, j'ai dit Henri, c'est fini. C'est Caprice, c'est plus fini. Mais moi, je ne vais pas chanter quand même, parce que je vais commencer un peu avec le terme Caprice, c'est fini, puis après, non. Henri, c'est fini. Allez. Henri, c'est fini. Et dire qu'il nous a tous soignés un jour. Henri, c'est fini. On ne le croit pas, et pourtant, il fallait bien que cela arrive un jour. Henri, c'est fini. Il faudra s'y faire. On rentre dans une nouvelle ère. Nous n'irons plus jamais, comme avant, consulter le centre médical deviendra banal. Henri, c'est fini, et dire qu'il nous a tous soignés un jour. Pourtant, maintenant, on peut le dire, on a évité le pire. Destiné à une carrière de charcutier boucher, il s'est exercé sur des pauvres poulets, éventrés, embrochés, étripés. Déjà, il aimait tripoter, sa voix était toute tracée. Pourtant, Hippocrate l'a pris sous son aile, le poulet, bien sûr. Et s'il s'est amoulé et changé de métier, du galilacé, il est passé à d'autres sujets plus compliqués. Mais il a gardé le doigté pour ausculter, rapiécer et j'en passe. Le secret médical ne m'autorise pas à entrer dans le détail. Comme quoi, un charcutier malin peut faire un bon médecin. Henri, dis-moi quand même, ce n'est pas fini les explications précieuses que tu nous stylais quand on marchait sur la nécessité de se soulager pour éviter l'accumulation gastrique provoquée par une irritation de l'enveloppe de l'estomac, elle-même comprimée par une surcharge gazeuse de l'intestin grêle qui lui-même subissait une dilatation de la rate. Je me souviens de ça. Etc, etc. Toujours éducatif de savoir que l'on peut se soulager un public pour raison médicale. J'aime pas, c'est les meilleurs. C'était au cap. On descendait et bien sûr Simone venait de t'engueuler. En même temps aussi d'ailleurs. Enfin, on connaîtra peut-être le secret médical qui nous faisait chaque année ramener du sable de toutes nos virées. Et même devenir gligophile et récolter ses paquets de sucre pour les yeux d'une belle fille. On va le savoir peut-être. Il n'y a plus de secret médical. Continue à remplir la pharmacie Henri, Cardégique, Doliprane, Advil, nous n'avons pas fini d'aller loin et on en aura besoin, de plus en plus besoin. Fini les bouteilles de 4 heures aussi, qui te faisaient rentrer à pas l'heure. Il faudra t'habituer à la vie de retraité, bien réglé avec le petit café, la sieste, la télé, regarde comme ils sont tous devenus. Fini aussi les séminaires où vent à terre tu pétais la sous-ventrière, tu n'avais même pas le temps d'écouter les intervenants. Du vécu. Le lave-vaisselle aux oubliettes, une léchée et plus rien dans l'assiette, pour pas gâcher. Quand même Henri, c'est pas fini les histoires salaces. J'espère que tu vas garder tes sources, que tu nous balançais avec le café, Simon le criait, mais nous on aimait bien. Maintenant tu vas te soigner, fini la démarche chaloupée, les chutes dans les rizières. L'Asie, encore Henri, Henri en un mot, Henri. Avec des genoux neufs, tu as fini le cavaler et de nous enquiquiner. Tu n'as pas fini de nous cavaler et de nous enquiquiner. Henri, c'est fini. On ne dira jamais assez merci. Tout ce temps consacré à soulager, à aider, accompagner car rien n'allait. Présent n'importe quand, certes, il avait passé serment, mais quel dévouement et ce ne sera plus pareil maintenant. Henri, enfin, tu démarres une nouvelle vie. Tu vas en profiter, tu vas te libérer, encore plus voyager. Peut-être reprendre le VTT, ça c'est pas gagné, mais tu sais qu'il y a la virée des éclopés le 20 mai. N'essaye pas de bricoler, ça c'est souvent mal terminé, et aux urgences tu es allé. Cuisiner, il ne vaut mieux même pas avec la plancha, c'est pas la peine d'y penser. Mais je suis sûr que tu vas nous surprendre, on n'a plus qu'à attendre. Simone va te protéger, de la patience il y en faudra. Calané toute la journée à te supporter, mais elle est armée et aussi habituée. Henri, c'est fini, on te l'a dit. Mais pour nous, tu restes notre ami. Et cela, ça n'a pas de prix.